Aïe, aïe, aïe. Dieu. Être chimérique et vain, dont le nom seul a fait couler plus de sang sur la surface du globe, que ne fera jamais répandre aucune guerre de politique. Puisses-tu rentrer dans le néant, d'où la folle espérance des hommes et leur ridicule frayeur osèrent te sortir. Que de crimes épargnés sur terre, s'il en eût égorgé le premier imbécile qui s'avisa de parler de toi. Que plus jamais ton nom ne soit prononcé. Évanouis-toi donc, dégoûtante chimère, rentre dans les ténèbres où tu pris naissance. Et reste-y bien caché, car les imprécations pleuveraient sur toi si jamais ta face hideuse apparaissait aux hommes. Pauvres, faibles et absurdes hommes, qu'aveuglent l'erreur et le fanatisme. Revenez des dangereuses illusions où vous plonge la superstition tonsurée. Réfléchissez au puissant intérêt qu'elle a de vous offrir un Dieu. Il lui donne sur vos biens et sur vos esprits tant de pouvoir. Vous verrez alors qu'un fantôme aussi dégradant ne pouvait être précédé que par des brigands. Des brigands qui connaissent le pouvoir de la terreur sur les âmes et qui savent que la politique a toujours besoin de la terreur dès qu'il s'agit de gouverner. Nous tremblons aujourd'hui parce que nos aïeux frémirent il y a plusieurs siècles. Si nous remontions à la source de nos craintes actuelles et des pensées lugubres qui s'élèvent dans notre esprit, nous la trouverions dans les déluges, les révolutions et les désastres. Car c'est dans l'atelier de la frayeur et de la tristesse que l'homme malheureux créa le ridicule fantôme dont il fit son Dieu. En contrepartie, il aurait simplement suffi que ceux qui sont chargés d'instruire et de gouverner le peuple aient eux-mêmes des lumières et des vertus. Mais fourbes, ambitieux et corrompus comme ils sont, les législateurs ont trouvé plus court d'endormir les nations par des fables plutôt que de leur enseigner des vérités. Si votre cœur a besoin d'un culte, qu'il offre aux palpables objets de ses passions, au moins quelque chose de bien réel vous satisfera. Mais qu'éprouverez-vous après 2 ou 3 heures de mysticité déifique? Un froid néant, un vide abominable qui, n'ayant rien fourni à vos sens, les laissera dans le même état que si vous eussiez adoré des rêves ou des ombres. Alors qu'en passant tous vos instants au centre des plaisirs, vous seriez infiniment plus heureux que l'imbécile qui se serait interdit rigoureusement tout ce qui pourrait lui plaire et le délecter.
car il est infiniment plus essentiel d'être heureux dans cette vie dont nous sommes sûrs que de prétendre à un bonheur imaginaire dans un autre monde où nous n'avons et ne pouvons avoir la plus légère idée. Gardons toujours présent à l'esprit qu'au vu des conditions que l'on dit nécessaires au salut, il paraît évident que nous serons tous plus certainement damnés que sauvés. Or, je vous le demande, qu'en est-il de la justice si vantée par votre Dieu que d'avoir placé son malheureux et chétif ouvrage dans une si cruelle position ? Si la grande majorité du genre humain est destinée à être éternellement malheureuse, un Dieu qui sait tout a dû le savoir. Pourquoi donc, après cela, ce monstre nous a-t-il créé ? Dieu n'était pas forcé de créer l'homme. Et s'il l'a fait uniquement pour le soumettre à un tel destin, cela devient le plus grand des crimes. Pour éluder la force de cet argument, les partisans du dogme de la damnation éternelle disent que le malheur des réprouvés n'est point un châtiment arbitraire de la part de Dieu, mais la conséquence du péché et de l'ordre immuable des choses. D'où le savez-vous ? Et j'ai envie de leur demander. Si vous prétendez que c'est l'Écriture qui vous a instruit de cette damnation, vous vous trouverez bien embarrassé quand il s'agira de le prouver. Et si vous parveniez à y déceler un seul passage qui en parle, que de choses ne vous demanderai-je pas à mon tour pour me convaincre de l'authenticité, de la véracité du prétendu passage que vous trouveriez en votre faveur. Car concernant les livres saints, un simple examen suffit à se convaincre que, loin d'être, comme on ose nous le dire, l'ouvrage d'un être supérieur. Ils ne sont en réalité que celui d'hommes faibles ignorants. Demandez donc à un chrétien, c'est-à-dire un imbécile, parce qu'il n'appartient qu'à un imbécile d'être chrétien. Demandez-lui quelle est l'origine du monde. Il vous répondra que c'est Dieu qui a créé l'univers. Demandez-lui maintenant ce qu'est Dieu. Il n'en sait rien. Ce que c'est que de créer un univers, il n'en a nulle idée. Interrogez-le sur l'origine des pestes, des famines, des guerres, des tremblements de terre. Il vous dira que c'est la colère de Dieu. Demandez-lui, quel remède faut-il employer face à tant de maux ? Il vous répondra des prières, des sacrifices, des processions, des offrandes. Demandez-leur aussi à ces chrétiens pourquoi le ciel est en courroux contre les hommes. C'est que les hommes sont méchants. Et pourquoi sont-ils méchants ? À cause de leur nature corrompue. Mais quelle est la cause de cette corruption? C'est que le premier homme, séduit par la première femme, a mangé une pomme à laquelle son Dieu lui avait défendu de toucher.
Mais qu'est-ce qui engagea cette femme à faire une telle bêtise? Et c'est le diable. Mais qui a créé le diable? C'est Dieu. Ben, pourquoi Dieu a-t-il créé un diable afin de pervertir le genre humain? À nouveau, ils vous répondent qu'il l'ignore. Si vous le permettez, revenons un instant sur cette fable absurde de l'éternelle condamnation de l'homme pour avoir mangé d'un fruit défendu dans le paradis terrestre. Puisque c'est d'elle que l'on part pour l'admission des peines éternelles de l'enfer. Mes amis, je vous le demande. Un homme, rempli de bonté, planterait-il dans son jardin un arbre qui produirait des fruits délicieux et qui se contenterait de défendre à ses enfants d'en manger en leur disant qu'ils mourront s'ils osent y toucher? S'il savait qu'il eût un tel arbre dans son jardin, un homme sage et prudent n'aurait-il pas l'idée de le faire abattre? Sachant que, sans cette précaution, ses enfants ne manqueraient pas de manger de ce fruit et d'entraîner leur descendance dans le malheur. Or, Dieu sait que l'homme sera perdu s'il mange de ce fruit. Mais malgré cela, non seulement il place en lui le pouvoir de céder, mais en plus, il porte la méchanceté au point de le laisser se faire séduire. L'homme fait ce que Dieu permet qu'il fasse, ce que Dieu l'engage à faire. Et le voilà éternellement malheureux. Peut-on trouver rien au monde de plus cruel et de plus malveillant que ce stratagème? Si un fils s'imaginait que son père fut capable de le condamner à de si cruels tourments, aurait-il pour lui du respect et de l'amour? Si vous voulez qu'un Dieu soit la base de votre religion, tâchez au moins que ce Dieu soit son défaut. Sinon, les gens raisonnables trouveront toujours plus simple de ne pas croire en Dieu que d'en admettre un assez cruel, assez inconséquent, assez barbare pour n'avoir créé l'homme qu'à dessein de le plonger éternellement dans le chagrin. Je ne peux m'empêcher de me demander si la volonté par laquelle Dieu conduit les êtres est de même nature que notre volonté et que notre force à nous. Je me demande si Dieu, dans les mêmes circonstances, peut vouloir ou ne pas vouloir. Si une même chose peut lui plaire puis lui déplaire. On peut aussi se demander si cette loi divine, c'est lui qui la maîtrise ou qui ne fait que l'exécuter. Car si un tel être peut changer de sentiment et de volonté, on peut se demander pourquoi elle en change. Assurément, il lui faut un motif. Et un motif bien plus raisonnable que celui qui nous détermine. Puisque Dieu est censé l'emporter sur nous en sagesse. Quel est ce Dieu-là qui a pu créer tout ce que nous voyons et qui est incapable de modeler l'homme à sa guise? Ce qui fait qu'au final, c'est sa créature qui le domine et non le contraire. J'irai même plus loin. Si Dieu s'est
c'est d'avance qui changera de volonté. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas arrangé les circonstances de manière à ce que ces changements ne lui devinssent pas nécessaires? Et s'il l'ignore, qu'avons-nous à faire d'un Dieu qui est incapable de prévoir ce qu'il doit faire? Si Dieu n'est pas libre, s'il est déterminé à agir en conséquence des lois qu'il le maîtrise, alors tous vos vœux, toutes vos prières, toutes vos offrandes ne l'apaiseront pas. Il vaut mieux donc le mépriser éternellement que de l'implorer avec si peu de chance de succès. Si j'ouvre l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 19, 20. Je lis. Le sort du Fils de l'homme et celui de la bête sont un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous deux un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Est-il rien de plus explicite que ce passage? Est-il rien de plus propre à soutenir l'opinion contraire de l'immortalité de l'âme et du dogme ridicule de l'enfer? Il est écrit dans ces versets que tout périt en nous comme dans les animaux. Et que, d'après cela, telle conduite que nous ayons pu avoir en ce monde, nous n'en serons ni plus heureux, ni plus malheureux. Il apparaît donc égal de ce bien ou de ce mal conduire, eut égard au sort qui nous attend après cette vie. Celui qui boit, qui mange, qui se perpétue comme les bêtes, et qui n'a pour tout bien fait qu'un instinct un peu plus raffiné. Comment pourrait-il prétendre un sort différent de ces mêmes bêtes? Mais l'homme, dit-on, est arrivé à la sublime connaissance de son Dieu. Par cela seul, il annonce être digne de l'immortalité qu'il se suppose. Mais même si l'individu a quelque avantage sur les animaux, combien ceux-ci en ont-ils à leur tour sur lui? À quel plus grand nombre d'infirmités et de maladies l'homme n'est-il pas sujet? De quelle quantité de passions n'est-il pas victime? Ce peu d'avantage peut-il lui donner assez d'orgueil pour croire qu'il doit éternellement survivre à ses frères animaux? Malheureuse humanité! À quel degré d'extravagance ton amour-propre t'a-t-il entraîné? Quel être serait assez absurde pour croire que l'homme soit libre, ou qu'il soit le maître de recevoir le jour sous tel ou tel climat? Qui est assez aveugle pour ne pas voir qu'entraîné dans toutes nos actions, nous ne sommes les maîtres d'aucune. Est-il rien de plus extraordinaire, en effet,
que la supériorité que les hommes s'arrogent sur les animaux. Dès qu'on leur demande ce qui fonde cette supériorité, ah, notre âme répond de ces imbéciles. Les prie-t-on d'expliquer ce qu'ils entendent par ce mot « âme » ? Alors, vous les voyez balbutier, se contredit. C'est une substance inconnue, disent-ils, une force secrète distinguée du corps. Demandez-leur alors comment cet esprit a pu se combiner avec leur corps étendu et matériel. Ils vous diront qu'ils n'en savent rien, que c'est un mystère. Que cette combinaison est l'effet de la toute-puissance de Dieu. Stupide, stupide que vous êtes. Si ce sont des mystères, vous n'y comprenez donc rien. Et si vous n'y comprenez rien, comment pouvez-vous affirmer une chose dont vous êtes incapable de vous former une idée ? À ces incultes, je répondrai la chose suivante. Je ne vois pas mon âme. Je ne sens et ne connais que mon corps. C'est mon corps qui pense, qui juge, qui souffre, qui jouit. Et quand il mourra, ce corps ne sera plus qu'une masse incapable de produire les mouvements dont l'assemblage constituait la vie. Il n'y aura plus ni circulation, ni digestion, ni respiration, ni parole, ni pensée. Nous rions de la simplicité de certaines peuplades dans l'usage et d'enterrer des provisions avec les morts. Est-il donc plus absurde de croire que les hommes mangeront après leur mort que de s'imaginer que leur âme leur survivra, qu'ils jouiront, qu'ils souffriront, qu'ils éprouveront de la joie, alors même que les organes propres à leur portée des sensations et des idées seront réduits en poussière. Certains docteurs de l'Église insistent pourtant et prétendent que Jésus lui-même descendit aux enfers. Nous n'entrerons pas dans les différentes dissertations qui ont lieu à ce sujet. Elles seraient insoutenables à la philosophie. Il est de fait qu'il n'y a pas dans le texte hébreu, ni dans les versions grecques et latines, un seul mot qui désigne l'enfer, au sens que nous y attachons, c'est-à-dire un lieu de tourment destiné aux pécheurs. Et s'il n'est point question d'enfer dans les Écritures. En vertu de quoi devrions-nous l'adopter ? À force de recherche, on trouve néanmoins qu'il y avait un lieu près de Jérusalem nommé la vallée de la Géhenne. Oui, c'est bien cela. Dans laquelle on exécutait les criminels et dans laquelle on jetait aussi les cadavres des animaux. C'est de ce lieu dont veut parler Jésus dans ses allégories quand il dit « Elic, erit, fletus, et stridor dentium ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette vallée était un lieu de gêne, un lieu de supplice. C'est incontestablement dont il est question dans ces paraboles, dans ces inintelligibles discours. Et cette idée est d'autant plus vraisemblable que le supplice du feu s'employait dans cette vallée. On y brûlait les coupables tout vifs. D'autres fois, on leur mettait autour du cou une pièce d'étoffe que deux hommes tiraient chacun de leur côté afin de les étrangler
et de leur faire ouvrir la bouche dans laquelle on versait du plomb fondu qui leur brûlait les entrailles. Voilà le feu. Voilà le supplice dont parlait le Galiléen. Convenez alors avec moi, canaille tonsurée, que ce dogme si redouté de l'enfer est destitué de tout fondement et qu'il n'est que le pur effet de l'embrasement de votre cerveau. Mais non. Pour contourner ces difficultés, les théologiens nous assurent que le feu de l'enfer n'est pas corporel, mais spirituel. Qu'est-ce, je vous prie, qu'un feu qui n'est pas fait de matière? Puis, dans le souci de concilier les parties, quelques docteurs de l'Église ont ajouté qu'il était en partie matériel et en partie spirituel. Ah ! Ainsi, voilà deux feux de différentes espèces qui mènent en enfer. Vous voyez à quel fatras d'opinion ridicule la superstition n'est-elle pas obligée d'avoir un cours pour justifier ses mensonges? Certains tonsurés ajoutent que les païens eux-mêmes ont admis le dogme de l'enfer. Il y a à supposer qu'il l'ait admis. Puisque nous rejetons leur religion, ne devons-nous pas aussi rejeter leur dogme? Rappelons-nous que jamais les païens n'ont cru à l'éternité des peines. Jamais ils n'ont admis cette fable pitoyable de la résurrection des corps. C'est pourquoi ils les brûlent et conservent les cendres dans des urnes. Ils croient à la métempsycose, à la transmigration des corps. Opinion très vraisemblable et que ne prouvent toutes les études de la nature. Concluons donc, après tout cela, que ce dogme puéril de l'enfer n'est que le fruit de l'imagination déréglée des prêtres, c'est-à-dire des individus qui forment la classe la plus vile et la plus méchante de la société. Ceux-là même qui s'arrogent le droit de faire dire à cette dégoûtante idole qu'est leur Dieu tout ce qui pourrait le mieux flatter leur passion, leur procurer des filles, de l'argent, seuls objets de l'ambition de ces vils rebuts de la société dont il serait plus sage de se purger radicalement. Imagina ensuite, selon vous, l'horrible Dieu que vous prêchez. Il n'a qu'un fils, un fils unique qu'il possède de je ne sais quel commerce. Car comme l'homme aime foutre, il a voulu que son Dieu aime foutre également. Donc, un beau jour, Dieu détache du ciel cette respectable portion de lui-même, et l'on pourrait s'imaginer que c'est au milieu du cortège des anges, porté par des rayons célestes,
à la vue de l'univers entier, que cette sublime créature va apparaître. Non. C'est dans le sein d'une putain juive au milieu d'une étable à cochons que s'annonce le Fils de Dieu qui vient sauver la terre. Voilà la digne naissance que son père lui offre. Ce bâtard passe ensuite une enfance ignorée de tous. Puis, après quelques services rendus par ce polisson au prêtre du temple de Jérusalem, il disparaît pendant 15 ans. À peine réapparu, il s'attribue le titre de fils de Dieu égal à son père. Et il associe à cette alliance un autre fantôme qu'il appelle l'Esprit Saint. Et ces trois personnes, assure-t-il, ne doivent en faire qu'une. Il annonce que c'est pour nous sauver qu'il aurait pris cher. Et pour nous en convaincre, il change l'eau en vin, nourrit quelques scélérats avec des provisions cachées, et tandis qu'un de ses camarades fait le mort, notre imposteur le ressuscite. Ensuite, il se transporte sur une montagne où il est fait des tours de passe-passe dont rougirait le plus mauvais bateleur de nos foires. À la fin, lassant les magistrats juifs par ses discours séditieux, il est supplicié, pourtant il se laisse faire. Monsieur son papa ne lui donne pas le moindre secours. Et voilà le Fils de Dieu traité comme le dernier des scélérats, alors qu'il était prévu qu'il devienne notre chef à tous. Après être laissé pour mort, il réapparaît. Ses adeptes crient tant qu'ils le peuvent au miracle. Cependant, dans cette ville où de si grandes merveilles viennent de s'opérer, personne ne veut croire en ce Dieu. Pas une conversion ne s'y opère. Mieux encore, le fait est si peu digne d'être rapporté qu'aucun historien n'en parle. Ses disciples pensent alors tirer parti de cette fraude. Tout changement plaît aux hommes. Là, du despotisme des empereurs, une révolution devenait nécessaire. On écoute ses adeptes. Leur ascension devint rapide. C'est l'histoire classique de toutes les erreurs. Bientôt, les autels de Mars et Vénus sont changés en ceux de Marie et Jésus. On publie la vie de l'imposteur. Ce plat roman trouve des dupes. On lui fait dire 100 choses auxquelles il n'a jamais songé. Quelques-uns de ses propos secrets deviennent la base de sa morale. Des rites bizarres s'instituent sous le nom de sacrement, dont le plus stupide de tous est celui par lequel un prêtre a, par quelques paroles magiques, le pouvoir de faire rentrer Dieu dans un morceau de pain. Cette même hostie, qui, une fois digérée par les fidèles, va se transmuer au fond des entrailles et finir au milieu des excréments les plus vils. Pour autant, dès sa naissance même, ce culte indigne aurait été détruit si l'on eût employé contre lui la seule arme qu'il méritait, le mépris. Mais, à défaut de bonnes raisons, tous ces chrétiens, tous ces croque-dieux nous menacent.
Mais il y a longtemps que l'on sait que la menace est l'arme du faible. Ce sont des raisons qu'il nous faut, imbéciles enfants de Jésus. Oui, des raisons et non pas des menaces. Nous ne voulons pas que vous nous disiez « Vous subirez ces tourments si vous ne voulez pas les croire. » À bout d'arguments, on nous brandit le consentement unanime. De peut-on, quand il ne se trouve pas deux hommes sur terre qui raisonnent de la même manière concernant les sujets les plus importants de la vie. C'est la vérité qu'il faut suivre, et non pas la multitude. Il faut bien mieux s'en rapporter à un seul homme qui dit vrai qu'à des millions qui débitent le même discours mensonger. Il fut un temps où les hommes ont cru que le soleil tournait autour de la terre. Aujourd'hui encore, des peuples croient aux sorciers, aux revenants, aux apparitions. Cette étendue d'opinion fait-elle des réalités de toutes ces choses? Je conviens que nous ne comprenons pas toujours les effets et les causes de cet univers. Mais gardons-nous de croire que l'universalité d'une doctrine puisse devenir un sauf-conduit en sa faveur. Il n'y a point de folie, point d'extravagance qui n'ait déjà été adoptée dans ce monde. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des fous. Et tant qu'il y aura des fous, il y aura des dieux, des cultes, un paradis, un enfer, etc., etc. Bannissez donc à jamais de vos cœurs toutes ces doctrines qui contredisent la raison. Dégagez-vous de ces vaines frayeurs. Foulez à jamais aux pieds les dogmes, les cérémonies de ces abominables religions. Car, disons-le avec vérité, de toutes les religions établies par les hommes, il n'en est aucune qui puisse légitimement l'emporter sur l'autre. Pas une qui ne soit remplie de fables, de mensonges, et qui ne comporte son lot de contradictions. Toutes ces inventions sont, je l'avoue, les seuls torts que je ne pourrai jamais pardonner à l'être humain. Je l'excuse de ses écarts, je le plains de ses faiblesses, mais je ne peux lui pardonner de s'être forgé lui-même les faits religieux qui l'ont accablé si violemment et d'être venu poser son cou sous le couperet de la bêtise. Car ces lois divines finissent par rendre leurs adeptes inhumains, dédaigneux, querelleurs, injustes et, surtout, intolérants envers tous ceux qui n'ont pas reçu la même révélation, ni les mêmes lois. Tant que pourront renaître ces fatales idées, il n'y aura pour l'homme ni repos, ni tranquillité sur terre. Et le flambeau des guerres religieuses restera toujours suspendu au-dessus de leur tête. En vérité, l'enfer pour l'homme se résume souvent à la sottise et à la méchanceté de ses semblables. Aussi, je vous rends sans remords l'idée d'un Dieu dont je ne me suis un moment servi que pour mieux le combattre.
Mais il n'est pas plus de Dieu que de diable. Pas plus de paradis que d'enfer. N'est-il pas plus simple de penser que nous ne sommes que matière? Il n'existe absolument rien hors de nous. Et cela, en dépit de l'orgueil des hommes qui voudraient se distinguer de la bête. Il est bien plus logique de penser que c'est la nature et le tempérament que la nature donne aux hommes, associés aux différentes circonstances de sa vie et de son éducation, qui déterminent ses actes. La nature, nous lançant sur cet univers, nous créa libres et athées. Ayez un peu de courage. Et consentez à l'ordre d'un destin dont les décrets font que tous les êtres retombent dans le creuset de la nature pour en sortir sous d'autres formes. Dans les faits, rien ne périt au sein de cette mère nature. Les éléments qui nous composent se réuniront bientôt sous d'autres combinaisons. Et si vous avez encore le moindre doute, copiez des traités de botanique. Entrez comme Fénelon dans les parties minutieuses et le détail de notre corps. Et lancez-vous dans les airs pour admirer le cours des astres. Extasiez-vous devant des fleurs, des papillons, des insectes, des cascades ou des couchers de soleil avec l'esprit libre de toute doctrine et de toute croyance. Car, après tout, quel mal y aurait-il à ne rien croire du tout? Est-il donc plus absurde de croire que les hommes mangeront après leur mort, que de s'imaginer que leur âme leur survivra, qu'ils mourront... Non, pas qu'ils mourront. Non, ce n'est pas qu'ils mourront, ça c'est sûr, ils sont déjà morts.